Bonjour à tous et bienvenue dans cet ultime Reverse the Verse de 2018. C'est votre ultime bafouille. Aujourd'hui, nous allons faire un tour de tous les vaisseaux en cours de développement et ceux qui sont prévus pour la suite. Il y aura de bonnes et de mauvaises nouvelles. Commençons tout de suite avec les vaisseaux en refonte ou en revisite. Le Vanguard Warden va recevoir quelques ajustements au niveau de la salle des pods pour optimiser l'utilisation de l'espace. Il y aura des retouches de la tourelle et aussi de l'avant du vaisseau dans ce qu'on pourrait appeler le coup. Cet ajustement permettra d'intégrer au mieux les nouveaux composants de vaisseau. Et John Crew a justement des images à nous montrer. Oh bah ça tombe bien alors. Dans les images que nous voyons ici, l'accès à la tourelle a été retravaillé. Vous aurez dorénavant plus d'espace pour que la tourelle puisse descendre sans bloquer l'accès au reste du vaisseau. La tourelle est également censée être rétractable, mais il s'agit d'un ajustement extérieur. Et les équipes sont en train de voir pour rendre cela possible. La salle de bain a été rétrécie pour mieux correspondre à la taille du vaisseau. Les couchettes, elles, n'ont pas bougé. Le gain de place ainsi créé a permis de placer un vestiaire, préparant ainsi l'inventaire de l'inventaire physique, tout comme de nombreux racks d'armes ajoutés dans d'autres vaisseaux. Ça non plus. C'est mon truc de maquillage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah tiens, il est fort probable que dans les zones variantes, vous ayez deux vestiaires pour l'équipage. La porte arrière a aussi été modifiée et remplacée par une double porte, permettant ainsi d'unifier toutes les variantes de Vanguard. Puisque le Hoplite et le Warden avaient deux structures complètement différentes. Si un bug survenait, cela obligeait les développeurs à le corriger deux fois. Cela veut aussi dire que toutes les variantes héritent de la version large de la rampe qui n'était réservée qu'au Hoplite. Comme dit précédemment, le couloir vers l'avant du vaisseau a été retouché pour permettre l'intégration des composants, comme vous pouvez le voir ici. Ce sont des composants de taille 2 que vous ne pourrez pas manipuler à la main, mais vous pourrez interagir avec eux pour les ouvrir et changer les sous-composants. Pour rappel, les composants de taille 0 et 1 seront transportables afin de pouvoir les remplacer. Pour les tailles 2 et 3, il faudra aller à une station de réparation et enfin taille 4, réservée au vaisseau capital où il vous faudra aller dans des endroits spécifiques pour pouvoir les réparer. Il n'y a malheureusement pas d'animation disponible, mais les marches que vous voyez peuvent se rétracter pour laisser apparaître un dernier composant. Car malgré toutes les améliorations faites par les développeurs, ils n'avaient toujours pas assez de place pour tout placer. Et voilà pour le Vanguard. Il a été question à un moment de séparer le rôle de vaisseau de course et d'intercepteur, comme pour le M50. Et John Crew aimerait que ce soit le cas. Mais il ne peut rien décider en la matière, et ce n'est pas prévu pour le moment. Concernant la visibilité du Freelancer, il n'y a pas de modification en vue. Si tableau de bord a cette forme aujourd'hui, c'est pour diverses raisons. Premièrement, c'est parce qu'il doit pouvoir accueillir des composants. Et deuxièmement, car s'il est plus court, il faudra alors avancer les sièges, et à cause de la forme du cockpit, si les sièges sont avancés, ils seront aussi plus près l'un de l'autre, empêchant alors les joueurs d'accéder à chaque siège en même temps. La seule possibilité pour empêcher cela, ce serait de retoucher au vaisseau, ce qui n'est pas envisageable. Le Retaliator, qui a aussi beaucoup fait parler de lui, n'est pas programmé pour des retouches à ce jour, car il n'y a rien à faire sans devoir revisiter l'ensemble du vaisseau, donc pas de lit supplémentaire pour la 7ème personne. Quelques nouvelles du Redeemer. Nous apprenons qu'il est à l'origine du Valkyrie. En effet, le Redeemer devait faire partie de Squadron 42, mais posa énormément de problèmes aux développeurs. Le vaisseau étant issu de la communauté, sa conception ne prenait pas en compte énormément d'éléments, comme les dimensions nécessaires, les futurs composants, etc. Il fut donc décidé d'en faire une refonte complète et de le remplacer par le Vanguard Hoplite. Mais les besoins de gameplay grandissant, le Valkyrie fut créé pour le remplacer à son tour. Lorsque les équipes retoucheront au Redeemer, il fera son retour en tant que vrai gunship, faisant pleinement partie de l'univers de Star Citizen plutôt que de n'être qu'un vaisseau bricolé. Il reste tout de même un questionnement. Le vaisseau ne ressemblant pas au standard d'Aegis, doit-il être redesigné ou doit-il changer de constructeur? Terminons la catégorie revisite avec le Reliant. Avec l'arrivée prochaine de nouvelles variantes, le corps a eu droit à quelques améliorations, concentrées principalement sur l'arrière qui a été rallongé et dans lequel vous pourrez tenir debout confortablement. Les variantes en elles-mêmes sont principalement un changement de skin pour l'extérieur et un changement de la section arrière en fonction des modèles. Avec l'arrivée prochaine du nouveau modèle de vol, vous aurez la possibilité de changer la position de l'aile sans avoir besoin de passer en landing mode. Et cela vaut également pour tous les autres vaisseaux. Tout comme le Reclaimer, les variantes du Reliant n'arriveront pas avec le gameplay associé.
Il n'est donc pas question de jouer à Tintin reporter pour l'instant. Mais si, puisqu'on vous le dit. Parlons maintenant des vaisseaux en cours de développement. Il y a quelques temps, nous avons eu droit à une vidéo sur la série des Hulls, et après plus rien. Donc quelles sont les nouvelles pour ce vaisseau? D'un point de vue artistique, il se trouve qu'en fait il est quasiment terminé. Seulement cette série rencontre un problème majeur qui l'empêche d'avancer. Et ce problème concerne la partie centrale censée pouvoir se déplier. Les équipes ont encore des problèmes techniques à résoudre avant que les artistes puissent s'y atteler. Les trains d'atterrissage doivent également être terminés. Et contrairement à d'autres vaisseaux qui peuvent être mis en jeu sans certaines animations, comme le bras du Reclaimer, pour le Hull C, ce n'est pas possible, car les plateformes supportant le cargo vous empêcheraient d'atterrir. Et comme pour l'instant le seul moyen de vendre du cargo est de se poser sur une plateforme, le vaisseau serait inutile. Pour finir, vous ne pourriez même pas le faire apparaître sur un landing pad, puisqu'une fois appelé, le vaisseau s'écraserait comme une crêpe sur la plateforme. Donc, les problèmes à régler avant son apparition sont permettre au vaisseau d'avoir un troisième mode de vol, ce qui est en cours, et créer de nouveaux types de conteneurs pour que les SU puissent être fusionnés en plus gros blocs, améliorant ainsi les performances. Ils doivent aussi améliorer les grilles physiques, pour leur permettre de bouger afin de permettre au vaisseau de se replier sur lui-même sans avoir de problème de collision. Qui plus est, il y a les portails de vue. Ce sont en gros les portes donnant sur l'extérieur du vaisseau et qui permettent à votre champ de vision de ne pas être bloqué, même si parfois cela ne fonctionne pas correctement comme sur la Avenger. Seulement ces portails sont statiques, il faut donc trouver un moyen pour les faire bouger en même temps que le vaisseau se plie ou se déplie. Et pour finir, il manque le docking qui permettra de faire apparaître votre vaisseau sans avoir besoin de train d'atterrissage. Docking qui est prévu et qui fonctionnera d'abord entre les vaisseaux et les stations, car les stations étant immobiles, cela est plus simple de commencer par là. Ensuite viendra naturellement le Constellation et son Merlin, puis les modules du Caterpillar. Évidemment, il faut aussi une station à laquelle s'arrimer, puisque Port Elisar ne possède pas les éléments requis. Une fois tous ces éléments réunis, la série Hull pourra enfin voir le jour. Parlons peu, parlons Polaris. Il n'est malheureusement pas en développement pour l'instant, et il ne sera pas dans un futur proche. Mais comme pour Origine, chaque vaisseau RSI développé accélère le temps de développement du Polaris. Les connaissances acquises sur le Bengal et le Constellation serviront donc pour le Polaris. Continuons avec les gros vaisseaux. Il y a un an, l'Idris paraissait dans la case Final Art du Pipeline, et pourtant il n'est toujours pas sur la roadmap. Cela vient du fait que Final Art n'est pas du tout la phase finale avant que vous puissiez voler avec. Comme nous l'avions expliqué dans notre vidéo sur le Pipeline, il reste encore beaucoup de choses à faire. Comme des effets à placer, faire des niveaux de dommages, faire des tests de bon fonctionnement ou bien placer des objets de décoration. Et sur un vaisseau de cette taille, tout cela peut prendre du temps. Il faut aussi ajouter que Chris et Erin Roberts veulent que notre première expérience avec l'Idris soit dans Squadron 42, pour les découvrir en même temps que son équipage. Il est donc peu probable que nous voyions l'Idris avant Squadron 42. No, God, please, no! Nous avons beaucoup cité le Reclaimer, et il est temps de parler du Vulture. Le recyclage approchant à grands pas, les équipes essayent d'accélérer son développement pour qu'il puisse faire son apparition aux alentours du tiers zéro du recyclage. Le Vulture étant un petit vaisseau, son développement peut être accéléré sans que cela n'impacte trop le pipeline. Cela ne veut pas dire pour autant que ce vaisseau devienne priorité, vu que le Reclaimer est déjà présent pour ce gameplay. Le choix de la priorité des vaisseaux peut parfois paraître nébuleux, et on peut se demander pourquoi ils ne se font pas dans l'ordre. Cela vient du fait que les anciens concepts n'étaient pas aussi poussés que les actuels. Aujourd'hui, lors d'un concept, tout est passé en revue, allant du design extérieur jusqu'au placement des sièges et des composants. Ce qui manque terriblement par exemple au Karak. Les développeurs utilisent donc les nouveaux vaisseaux pour déduire le fonctionnement et le design interne des plus vieux. Ce que nous avons vu très récemment avec le 600i pour le 890 Jump et ce qui est en cours avec le Banu Defender et le Merchantman. Il faut aussi prendre en compte que les développeurs s'améliorent à chaque nouveau vaisseau, et c'est donc une bonne nouvelle si votre véhicule favori n'est pas encore apparu, car il sera plus abouti que s'il était sorti l'année passée. Et c'est un principe qui s'applique chez Crusader Industries, puisque le premier vaisseau prévu est le Mercury. Pas de nouvelles pour le Nova Tank, si ce n'est qu'il sera hermétiquement fermé, vous permettant de poser sur un Kraken pour ajouter des canons supplémentaires. Côté Endeavor, pas de grandes nouvelles.
Ses modules sont toujours programmes, ainsi que sa capacité à détacher l'avant et à laisser le reste de la station pour partir en exploration. Concernant son hangar, impossible de savoir quel vaisseau rentrera tant que sa construction n'aura pas commencé. Dans la lancée du Endeavor, CNG souhaite que les modules soient comme des composants, des objets physiques que vous pouvez changer. Cela veut aussi dire qu'ils auront une présence physique en jeu. À un certain moment, Chris souhaitait que si vous achetiez tous les modules du Endeavor mais que vous ne les équipiez pas, ils seraient alors stockés dans votre hangar où vous pourriez les admirer. Après toute cette masse d'informations, nous avons le droit à quelques nouvelles du 890 Jump. La première image que nous voyons est le pont inférieur, avec l'élévateur sur la gauche permettant d'accéder aux autres étages. Dans la zone d'ombre où John déplace son curseur se situe la baie médicale. Les images que vous voyez sont les couloirs sur lesquels il travaille actuellement et qui sont un peu plus jolies que la salle des machines. Vous pouvez voir ici l'état actuel de l'extérieur du vaisseau, qui fait actuellement 200 mètres de long. L'arrière a nettement progressé depuis les concepts originaux et correspond mieux aux standards établis par le 600i ou la série 300. Le tout option luxe inclut une piscine de 25 mètres de long, ainsi que des bains de vapeur et un sauna sur la droite de l'image. Ici, nous pouvons apercevoir l'atrium, qui comme vous pouvez le voir, est un peu moins avancé. Et c'est dans cette zone que vous accéderez au vaisseau. Ce que nous voyons ici est la soute à cargo, avec laquelle vous accéderez par un ascenseur qui se situe juste derrière vous, depuis cette vue. Ici, vous pouvez apercevoir la salle de bain qui sera partagée par tout l'équipage. Contrairement au 600i, les lits de l'équipage seront séparés, suite à des retours critiques. Mais vous retrouverez tout de même un espace de vie commun, et directement relié à celui-ci, vous trouverez une zone de restauration. Et voilà pour le 890, qui fait son retour après une légère pause due à la CitizenCon. Et pour couper court aux rumeurs, le 890 Jump a la place pour stocker 2 X85, mais n'est livré qu'avec un seul. Quelques rapides informations. L'Orion a entamé une phase de production où il est devenu de plus en plus gros, et a ensuite été remis en pause. Concernant le Kraken, l'extérieur a été fait spécialement pour la CitizenCon, mais rien de plus. Il est en pause pour l'instant, jusqu'à ce que le Karak et le 890 soient finis. Courant de l'année prochaine, le Lynx et le Rover Origin devraient rentrer en production. Il n'y a par contre pas de date de sortie pour l'instant. Par contre, pour le X1, pas de nouvelles, il ressemble toujours à un pistolet. Le Prowler a désormais un artiste dédié, mais nous ne connaissons pas la date d'entrée en production. Le Mercantman entrera en production l'année prochaine, une fois que le Karak sera terminé. Pour finir cette émission, retournons là où tout a commencé, avec le Karak. La vidéo qui a été montrée au tout début date déjà d'il y a plusieurs semaines, et il y a quelques progrès depuis. Durant la vente anniversaire, John Crew a dit quelque chose qui pouvait porter à confusion. C'est-à-dire que le Karak est devenu plus gros, ensuite plus petit, mais quand même plus gros. Les images que vous voyez ici permettent de mieux comprendre. Leur première version faisait 170 mètres de long, contrairement au premier concept qui en faisait 123. Et sa version définitive en fait 125. Le problème avec la version de 170 mètres est qu'elle passait le vaisseau dans une autre catégorie pour les pistes d'atterrissage. Ce qui veut dire que vous auriez pu le faire apparaître depuis moins d'endroits dans le jeu. Ils ont donc passé l'intérieur en revue pour voir quelles zones pouvaient être optimisées. Sur cette première image, vous pouvez voir qu'entre la tourelle et le nœud du vaisseau, le couloir a été supprimé, et les deux pièces sont maintenant connexes. Au niveau du pont supérieur, la salle des machines a été raccourcie, et le pont avant a été compressé pour gagner de l'espace. La soute à cargo a elle aussi été réduite, mais le vaisseau sera bien livré avec tout ce qui a été prévu. Depuis le premier concept, le train d'atterrissage a été modifié, puisque la première version ressemblait plus à des pattes brinque-ballantes à l'arrière du vaisseau. Et comme pour le Mustang, si vous perdiez vos ailes, vous ne pouviez plus atterrir. Perdu une aile. Tout va bien. Merde, l'autre aussi. Tout est bonnard. Tu apportes. Je me pose. De plus, ce nouveau modèle de train d'atterrissage permet la compression, ce qui n'était pas possible avec l'ancien. Et contrairement à ce qui avait pu être dit sur Spectrum, le Karak possède toujours ses tourelles sur le côté. Concernant l'intérieur, il y a eu quelques changements depuis le concept également. À la place de la sphère que nous voyons, il y avait originellement une table, qui permettait de faire apparaître un hologramme, et qui a été remplacée par une carte 3D comme dans l'Idris ou le Bengal. Le cockpit possède toujours ses trois sièges rotatifs permettant de voir à travers le sol vitré. Le volet métallique recouvrant la vitre est toujours prévu. Il rencontre quelques problèmes de performance qui devaient être réglés, mais les équipes travaillent bien dessus. Les quartiers d'équipage se donnent une table billard pour les moments de détente. Et sur le pont supérieur, vous pouvez apercevoir ici la salle de stockage des drones.
Le Carrack possède également une infirmerie qui sera de qualité supérieure, parfaite pour vos longs voyages permettant de faire face aux incidents les plus courants. Si par contre vous êtes en danger de mort, cela ne suffira peut-être plus. À l'opposé de la salle de billard se situe la cantine possédant un bel espace. Et voilà pour l'intérieur du Carrack. Le petit vaisseau de poche allant avec devrait entrer en production l'année prochaine. Le Merlin que vous avez pu voir ne sert qu'à tester la taille du hangar. Et le véhicule terrestre dédié sera un Ursa Rover. Et voilà pour ce tout dernier Reverse the Verse de l'année, puisque Jaren part en vacances jusqu'à fin janvier. Il y aura tout de même encore deux Collingold Dev cette année, qui ont déjà été enregistrés, et au moins un ATV. J'espère que ce format un peu spécial vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Si vous aimez notre travail, soutenez-nous sur Tipeee pour que nous puissions continuer cette merveilleuse aventure. Pour avoir plus de Roxy la Rotule, vous pouvez nous rejoindre sur Discord ou Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.